Bonjour à tous et bienvenue sur Yiri TV, je m'appelle Sylvia et je fais des revues et analyses de séries et films afro. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Active aussi la cloche des notifications pour ne rater aucune nouvelle revue. Aujourd'hui on va parler du nouveau film, cette fois et pas série. Donc le nouveau film de Even Prod qui s'appelle Mougnol, violence conjugale, il est sorti il y a quelques jours. Even Prod, je pense que tu connais déjà, hein, c'est eux qui ont produit le film Meurs et tout ça, donc voilà. Et vers la fin de cette revue aussi, j'aurai une petite annonce par rapport à la chaîne, donc si tu veux pas passer sur cette chaîne, stay tuned jusqu'à la fin. Je te donnerai tous les détails dans un instant concernant cette annonce. Alors pour cette revue, on va parler de la violence conjugale, bien sûr, parce que c'est le thème principal. On va parler aussi de la technique utilisée pour le tournage de ce film. On verra aussi contre quoi ce film nous met en garde. Et enfin, on terminera par la fin heureuse. On va en discuter ensemble. Est-ce que cette fin heureuse était vraiment nécessaire? Comme d'habitude, je te mettrai les minutes dans la description si tu veux passer à un sujet qui t'intéresse plus qu'un autre. Donc n'hésite pas à regarder dans la description. Fais comme chez toi, ok? Donc pour la petite histoire, le film Mougnol parle de la vie après le mariage du personnage principal qui s'appelle Fatima. C'est une jeune femme qui a rencontré un homme qui souhaite l'épouser, un homme assez riche. Il la rencontre alors qu'elle a déjà un petit ami. Sauf que son petit ami n'est pas très sérieux, il ne lui montre pas qu'il a envie de l'épouser. Du coup elle fait le choix d'épouser l'homme riche. Tout allait bien jusqu'au jour qu'il commence à se disputer et il lui donne une gifle. Tout a commencé par cette gifle et après cela les choses sont allées de pire en pire. Son mari la battait et il a fini par commettre l'irréparable. Donc ce film est sorti il y a quelques jours avec un thème assez explicite, on comprend tout de suite de quoi il s'agit. Et ce n'est pas par hasard qu'il est sorti au mois de mars, parce que le mois de mars c'est le mois de la femme, c'est le mois de la journée internationale des droits de la femme. Encore un thème social, c'est du Even Prod tout craché. Là on parle des violences conjugales et du féminicide. C'est un sujet assez sérieux, hein. Je n'ai pas trouvé les chiffres du Sénégal, mais ici en France, il faut savoir que une femme meurt tous les deux jours sous les coups de son mari, ce qui est assez énorme. Et un peu plus de 47% des décès au sein de couples mariés sont liés aux violences conjugales. C'est assez surprenant que jusqu'à présent, en 2020, on est toujours en train d'aborder ces sujets-là, les mêmes sujets, la violence conjugale. Et bien sûr, ce ne sont pas que les femmes qui sont affectées par la violence conjugale, il y a aussi des hommes. Et c'est plutôt un sujet tabou chez les hommes, dans le sens où les hommes osent moins en parler et il y a très peu d'hommes qui osent se tourner vers la justice par crainte de ne pas être pris au sérieux et puis parce qu'ils ont leur ego aussi tout simplement. Donc vraiment bravo à Even Prod d'avoir abordé ce sujet. Ce film est top, super bien, les acteurs sont top, il n'y a rien à dire. Passons maintenant au deuxième point que je voulais aborder, donc la technique de tournage utilisée dans ce film. Il y a une technique de tournage qui a été utilisée 3 fois dans ce film, hein, lorsque les acteurs regardent la caméra directement. Donc c'est quoi le but, pourquoi est-ce que ça a été utilisé et comment ça s'appelle, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Dans le cinéma, dans la cinématographie, le fait de regarder la caméra directement, ça s'appelle briser le quatrième mur. La caméra étant le quatrième mur et les 3 autres murs étant ceux qui sont à côté de moi, sur les côtés, et puis celui qui est derrière. C'est une technique de tournage assez unique qu'on retrouve souvent dans le registre comique et bien sûr qu'il faut utiliser avec modération parce que ça peut faire bizarre. Dans ce film, il est très bien utilisé. Il est utilisé à 3 reprises. Il est utilisé pour que les acteurs puissent créer un contact direct avec nous, avec l'audience. Et ainsi, on se met à la place de l'actrice principale. On rentre dans son intimité pour partager ses sentiments et pour savoir ce qui se passe réellement dans sa tête. Et en fait, c'est pour cela qu'on est très touché par cette gifle qu'elle se prend. C'est le fait de briser ce quatrième mur qui joue un rôle primordial et qui nous fait vraiment éprouver beaucoup d'empathie pour elle. La deuxième fois que la technique est utilisée, c'est pour montrer ce qui se passe dans la tête du mari. J'ai trouvé ça très intéressant de montrer pour une fois le point de vue de ces bourreaux et ça nous révèle que ces hommes ne sont pas seulement des hommes violents, ce sont aussi de gros manipulateurs. Dans ce contexte, le mari savait très bien comment l'amadouer avec des choses matérielles, hein, avec la voiture, etc. Donc j'ai trouvé ça très très intéressant pour une fois d'avoir le point de vue du mari, de savoir que lorsque ces hommes violents demandent pardon, ils savent très bien ce qu'ils font, ils ne sont pas tout à fait sincères. Donc
Watch out, girls. La troisième fois que la technique est utilisée, c'est lorsque la meilleure amie de Hadi s'adresse directement à la caméra pour nous dire ce qu'elle pense de ces hommes violents et pour nous demander de ne pas hésiter à prendre des mesures contre ce genre d'hommes. Elle s'adressait vraiment directement au public et cette scène m'a vraiment fait penser à un théâtre. J'avais l'impression d'être dans un théâtre en train de regarder un spectacle en fait. Et ce film, franchement, je le vois bien être joué dans un théâtre hein, pour qu'on puisse inviter les mamans, les papas, les enfants, un peu tout le monde hein, parce que c'est un film assez tout public on peut dire, pour que tout le monde vienne le regarder et pourquoi pas même se déplacer dans des villes, dans des villages, même dans des endroits un peu reculés pour jouer ce spectacle, pour jouer ce film en direct devant des spectateurs pour que ça serve de leçon de morale et pour dénoncer les violences conjugales. Ce serait vraiment une très bonne chose pour le pays. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Est-ce que tu penses que ce serait vraiment une bonne idée que ce film se déplace hein? Ce serait un théâtre ambulant, du cinéma ambulant, de ville en ville, de village en village, parce que c'est vraiment un sujet sérieux, pour que tout le monde puisse en profiter et puis pour que les acteurs soient connus partout dans le pays aussi. Dis-moi ce que t'en penses. Je sais que tout le monde a accès à internet, tout le monde peut le regarder sur internet, mais moi personnellement j'hésiterais pas à payer pour aller voir un spectacle comme ça. Ce serait super intéressant, ce serait un événement en fait. Je sais que ça se fait beaucoup au Sénégal je crois, les théâtres et tout comme ça. Moi j'ai jamais assisté à un théâtre et je trouve ça vraiment intéressant. Alors passons maintenant à la mise en garde. Ce film nous met en garde contre deux types d'hommes. Le premier type d'hommes, c'est les hommes comme Papis, donc le boyfriend. Ce sont vraiment les genres d'hommes à fuir. Des hommes irresponsables et assez immatures qui ne sont pas prêts pour le mariage mais qui vont te faire espérer et espérer et espérer. Ils vont continuer à profiter de toi et ils ne seront jamais prêts pour assumer les conséquences de leurs actes. Lorsque Hadi commençait à lui parler sérieusement, la première question qu'il lui pose c'est « J'espère que t'es pas enceinte. » Comment ? On voit tout de suite le genre de personne qu'il est. Dans ce contexte, il y a quelqu'un qui a chanté « Quel genre de diplôme est-ce que tu veux avoir ?» Et ça s'applique vraiment pour ce type d'homme. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble, mais ils attendent soi-disant the perfect time, le moment parfait pour te demander ta main. Il dit à Hadi qu'il veut faire d'elle sa reine, il appelle même déjà sa femme, il dit qu'il ne veut pas l'épouser pour la fatiguer. Ça m'a bien fait rire tout ça. Ce film nous met en garde contre les beaux parleurs comme Papis, qui oublient qu'on n'a pas besoin de circonstances parfaites pour demander la main de quelqu'un. Le mariage peut aussi se construire à deux, on n'a pas forcément besoin que tout soit parfait avant d'épouser une femme. Le deuxième type d'homme, c'est des hommes violents, que ce soit physiquement ou verbalement. Des hommes qui sont machos, qui ont un orgueil assez dominant. Des hommes comme le mari de Fatima. Ce sont des hommes qui se croient au-dessus de tout. Dans la toute première scène, parce que les premières scènes dévoilent souvent tout ce qui va se passer par la suite. Donc dans la première scène, on voit que son futur mari ne prend même pas le temps de sortir de la voiture, comme s'il parlait à des filles de la rue, hein, des filles qu'il rencontre dans la rue comme ça. Donc à mon avis, ça c'était un petit indice qui voulait tout dire. C'est des hommes qui se croient vraiment au-dessus de tout juste parce qu'ils ont de l'argent ou bien le pouvoir comme le policier qui se croit tout permis juste parce qu'il est policier. Donc encore une fois, ces hommes-là en général ce sont de gros manipulateurs, ils arrivent à te manipuler et à manipuler ton entourage, ta famille, tes amis, parce que ce film dévoile aussi tout ce que certaines familles sont prêtes à faire pour les biens matériels. La mère de Hadi est complètement aveuglée par l'argent, le bonheur de sa fille passe complètement à côté. Et pareil pour la meilleure amie qui va même jusqu'à dire qu'elle serait prête à supporter tout ce que Fatima subit juste pour les biens matériels. Parlons maintenant de cette fin heureuse. Était-elle vraiment nécessaire? Donc en fin de compte, on se rend compte que cette histoire n'est qu'une histoire dans l'histoire. Et maintenant, c'est un homme âgé qui est en train de raconter l'histoire. J'ai pas très bien saisi qui étaient ces personnages-là, mais on va dire que c'était les parents du mari. Donc en fin de compte, Hadi n'est pas morte. Elle est toujours mariée, elle est heureuse avec son mari. Even Pro lui ont donné une fin un petit peu à la conte de fées. Un petit peu en mode, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Mais est-ce que cette fin heureuse était vraiment nécessaire? Donc vous voulez me faire croire qu'après tout ce que je viens de regarder, en fait ça ne s'est pas vraiment passé? Désolée, mais mon cerveau a eu beaucoup de mal avec cette fin. Mon cerveau a tout simplement refusé d'accepter cette fin. Si encore ils avaient filmé la fin avec un autre personnage à la place du mari. En fait ce personnage a tellement bien joué son rôle que j'ai eu beaucoup de mal à croire à cette fin. Personnellement je pense que le happy ending n'a vraiment pas marché dans ce cas-ci et pour beaucoup de raisons. La première raison c'est que je trouve que ça tue ou ça a tué l'imagination
tension et le suspense. Après la scène tragique, j'essayais tout simplement de répondre à toutes les questions que Hadi a posées au public. Que va devenir son fils? Il va sûrement fuguer et finir avec les talibés, les enfants de la rue qu'il a rencontrés. Est-ce que le mari va regretter son geste? Est-ce qu'il va se faire arrêter par la police? Et tout particulièrement par Maître Jumpy. Enfin, par Maître Jumpy. Ce n'est pas Maître Jumpy. Et tout particulièrement par le policier donc qu'on a vu dans le film. Et puis le policier, en voyant cette scène, va se rendre compte que lui aussi, il faut qu'il change son comportement. Parce que cette scène finale nous renvoyait à la scène avec le policier parce qu'il a eu le même geste envers sa copine. Donc voilà, j'ai trouvé que la fin heureuse ne nous laisse malheureusement pas le temps de construire notre propre imagination. Et c'était ça la première raison. La deuxième raison pour laquelle je trouve que la fin heureuse ne fonctionne pas ici, c'est que ça supprime le réalisme. On se dit qu'en fait, ce n'était juste qu'une histoire racontée par un vieillard. Et ça banalise la situation en fait, parce qu'on se dit que, bon, finalement en fait elle n'est pas morte. Donc c'est vraiment dommage d'avoir ajouté cette dernière scène. La troisième raison, c'est qu'une fin tragique ou réagit comme une sonnette d'alarme en fait. Comme un appel à prendre des mesures contre la violence conjugale. Même si certes, oui, on sait très bien que le but du film, c'est vraiment pour dénoncer les violences conjugales. Mais la fin tragique nous aurait vraiment laissé avec la sensation qu'on doit vraiment agir d'urgence. Parce que cette mort était vraiment un choc. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle meure. Dans le sens où elle était la narratrice en fait, tu vois. Lorsque quelqu'un est narrateur, tu te dis qu'en fait, la personne raconte quelque chose qui s'est déjà passé. Donc automatiquement dans ta tête, tu ne te dis pas que la personne va décéder. C'est pour cela que la scène finale n'était mais vraiment, vraiment, vraiment pas nécessaire à mon avis. Hein. Les fins tragiques ont beaucoup plus d'émotions en fait. Ça nous dérange carrément et ça nous fait vraiment penser au film longtemps. Un film peut vraiment rester gravé dans notre tête à cause de sa fin tragique. J'étais carrément énervée par la mort de Hadi tellement c'était bien fait. Voilà mon opinion par rapport à cette fin tragique. N'hésite pas à me donner ton opinion dans les commentaires. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport à ce film? Ce qu'il faut retenir, c'est que on connaît tous quelqu'un qui vit en ce moment ou qui a vécu des violences conjugales, que ce soit des proches, des personnes, ça peut être des personnes de notre famille, des amis. Lorsqu'on voit quelqu'un qui est en train de subir des violences, n'hésitons pas à s'interposer si on le peut, hein, bien sûr, sans mettre notre vie en danger, hein. Comme la scène lorsque les garçons sont venus s'interposer lorsque le policier violentait sa copine. Donc le film nous pousse vraiment à agir, à appeler la police s'il le faut pour rendre justice et appeler même anonymement si on a peur de se dévoiler. En tout cas, que ce soit la violence faite aux hommes ou aux femmes, n'hésitons pas à agir. If you see something, say something. Parce qu'on peut tous faire la différence. Donc comme je te le disais au début, j'avais une petite annonce à te faire par rapport à cette chaîne. La nouveauté pour cette chaîne, c'est que j'ai mis en place un numéro où tu peux m'appeler, m'envoyer des messages par WhatsApp, hein, où que tu sois dans le monde. Il ne me reste plus que quelques trucs à mettre en place et le numéro devrait être actif d'ici la fin de la semaine prochaine. Donc dans ma prochaine vidéo, je te donnerai le numéro pour que tu m'envoies tes commentaires, pour que tu m'envoies tes réactions en vidéo, hein. Si tu veux passer sur cette chaîne, tu peux me faire des petites vidéos de 1, 2, 3 minutes, des petites vidéos courtes en me partageant ta réaction et je publierai ta vidéo dans ma chaîne. Donc ce sera des vidéos réactions et revues où je partage tes réactions avec tout le monde. Dans ma prochaine vidéo, normalement, je te donnerai le numéro. Tu pourras m'envoyer tes vidéos par WhatsApp et passer sur la chaîne. Voilà ce que j'avais pour toi pour cette grande revue du film Mounieul. N'hésite pas à me laisser tes commentaires, c'est toujours un plaisir de te lire. Je te retrouve dans ma prochaine vidéo d'ici la semaine prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!